Salam alaikum à tous les musulmans, que Jésus-Christ soit avec vous, les chrétiens. Bon. On est en magasin, mes frères et sœurs. Ouais, je viens d'apprendre, mes frères et sœurs, ce qui s'est passé avec Soul King, là. L'avant-première du concert. Quelque chose de très grave, hein. C'est très très grave, hein, parce que pour de la musique, les gens sont morts, les jeunes sont morts. Je trouve ça inacceptable. C'est incroyable. Incroyable et inacceptable. Bon. Déjà toutes mes condoléances, mes frères et sœurs, pour la famille. Et franchement, moi, ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est la seule fois où moi, Guadazeroa, j'ai vu des gens qui sont morts dans des bousculades, c'était pour Allah, c'était pour Dieu, c'était à la Mecque, mes frères et sœurs. Et ça, c'est chaque année, c'est comme ça, vous comprenez? Et mourir, mes frères et sœurs, pour Soul King, mourir pour Fianso, mourir pour des mecs, mes frères et sœurs, qui sont des gens qui sont pas du tout religieux parce que tout simplement aux heures de prière ils s'entraînent à faire des showcases. Et ben moi je dis non. Moi j'espère que le jour de ma mort, mes frères et sœurs, le dernier jour j'aurai parlé d'un hadith, des histoires de prophètes, je peux pas me permettre, mes frères et sœurs, d'être à concert le jour de ma mort. C'est pas possible. Vous comprenez, c'est pas possible. Et chaque personne dans ce monde là, dans ce bas monde, qui vont dans des concerts, mais qui réussissent, ce sont des personnes qui n'ont rien à foutre de Dieu, moi je pense. Moi je vous dis la vérité. Payer des places à je sais pas combien d'euros. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pas normal. Les mecs qui payent des places à Vla l'oseille, hein, juste pour voir Soul King. Vous comprenez? Les mecs qui connaissent les textes par cœur de Soul King, les textes par cœur de Fianso, ils connaissent même pas une sola. C'est un truc de fou, ils connaissent même pas une sola. Vous imaginez? Les mecs, ils meurent en connaissant les textes par cœur de tout le monde. C'est incroyable. Après, je veux dire que la paix soit sur la famille des jeunes et tout ça et tout. Et les jeunes aussi, hein. Et personnellement, je veux pas blâmer les jeunes. Parce que parfois, c'est des enfants qui sont morts bêtement. Parce que tout simplement, leur mère ou leur frère... voilà, ils sont amoureux des chanteurs, vous comprenez? Ils pensent que les chanteurs, ils ne chient pas, ils pensent que les chanteurs, ils ne pissent pas, vous comprenez? Donc pour eux, c'est une dinguerie d'aller voir Soul King, d'aller le toucher sur scène, vous comprenez? En tout cas, Guadazeroa, même si j'apprécie beaucoup le grand Soul King, d'ailleurs, j'ai toujours donné de la force dans mes vidéos en disant que c'était un grand artiste, mais de là, mes frères et sœurs allaient payer ma place pour le voir, je crois pas, mes frères et sœurs. Je crois pas, mes frères et sœurs. Soul King, pour moi, voilà, c'est un artiste fou. C'est quelqu'un de bien, selon moi. Parce que voilà, les derniers clips qu'il a fait, c'était bien. C'est distribuer ses biens à des pauvres et tout ça et tout. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts pour lui, mes frères. Vous imaginez à quel point la musique, elle est diabolique, elle est satanique. C'est un truc de fou. Mourir pour des artistes, perdre la vie pour de la chanson, boire de l'alcool à cause de ces gens-là, parce que parfois ces gens-là ils poussent à boire de l'alcool. Après, je pense pas que la musique est responsable de tout le mal de ce que les jeunes font. Vous comprenez, ça c'est du mytho, vous comprenez. Et lorsque les mecs ils viennent faire des showcases de la nuit, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont alcoolisés, vous comprenez. Voilà, le message que je voulais passer. Apprenez des sourates, lisez le Coran. Et arrêtez vos sottises là, vos trucs de gamin là, faut que je touche la tête de Soul King, faut que je sois en premier rang, faut ceci, faut cela, tout ça c'est des conneries, mes frères et sœurs. À la fin, c'est qui est content, c'est Soul King parce qu'il prend un gros cachet, c'est Fianso, hein, c'est pas vous, vous allez juste être content parce que vous l'avez vu. Mais après le mec il repart dans sa petite ville, hein, tranquille, hein, tu vois. Il passe de ville en ville et voilà. Donc voilà le message que je voulais faire passer.